dark side. I wanna be your left hand man. Oui, ah ben le grand-papa il est en bas. On va aller rejoindre. Bon matin. Dans la tête hier. Maman. On se va déjeuner. Maman, il est fait la lumière. Ouais. Le déjeuner est à jusqu'à 9h. Fait que on s'est levé et j'ai levé les enfants parce qu'il dormait. Papillon! Ça ressemble à un papillon. Ça est bleu. Je me suis pris deux toasts au raisin. Je vais mettre du beurre. J'ai un petit muffin. Il est en train de faire son assiette. J'ai des fruits puis du yogourt. C'est bon tes céréales, Jaden? Bon tout le monde! On est ready pour la piscine! Il est rendu 11h et quelques. Il est quelle heure? T'as-tu l'heure, Anthony? Non. Il est 11h quelque chose. Puis, dans le fond, on a relaxé un peu dans la chambre. Les gars, ils ont été dans la chambre de leur grand-père. Puis, ils ont relaxé là. Puis, Amanda, elle a fait une petite courte sieste. Elle s'est réveillée après parce que ses frères qui sont revenus. Puis, c'est ça. Fait que là, on s'en va à la piscine. Fait que le plan, c'est ça. Après, on va manger. Après, on va à Ocean City, Boardwalk, plage. Allô! Je vais aller poser, c'est pour ceux qui n'ont pas attaché. On laisse ça ici, Maverick? Est-ce que vous voulez aller à la piscine? Ils mangent en couche. Le restant, le Olive Garden a emporté. Salut tout le monde! Il est présentement 2h. Et on est en direction. Ben en fait, là, on est arrêté parce qu'Anthony voulait aller au GameStop puis au Best Buy. C'est pas du tout dans la même direction, mais. Vous entendez, il y a le temps ici. Mais ça dit que où qu'on va, à Ocean City, qu'il fait beau. Mais là, c'est ça, les trois enfants font dodo, donc c'est ça qu'on voulait faire. On voulait se promener un peu pour qu'ils dorment avant d'aller à la plage. Donc, mon Dieu, c'est vraiment fort le tonnerre. Mais, comme, sur le bord de l'eau, on voit qu'il fait beau, genre. Puis, j'ai checké la météo, puis ça dit qu'il fait beau. Alors, on espère qu'il fait beau là-bas. En tout cas, c'est ça. On est comme pas pantoute en direction qu'on allait pour la plage, mais c'est ça, comme on voulait qu'ils dorment plus de route, c'est pas grave là, dans le fond. Là. Ils dorment plus longtemps. Fait que j'ai emporté mon petit sac de plage. Sur moi, j'ai mon maillot, une pièce jaune avec un petit par-dessus. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va se promener sur le boardwalk de Ocean City. Puis après ça, on va aller à la mer. Fait que c'est ça. Les cheveux encore mouillés de ce matin que je suis baignée. Mais c'est pas mal ça, là. On va faire. Je viens d'allaiter ici dans la tente. C'est vraiment le fun d'allaiter couché dans la tente. Protégé du soleil et il fait vraiment chaud. Il est 6h50 et on vient de partir de la plage. Ben, en fait, on est arrêté au McDo. J'ai aussi allaité Amanda. J'ai pris un café avec. C'est quoi que t'as mis? Genre, parce qu'il n'y avait même pas du lait dans les cheveux. En fait, c'est comme pas dans les cheveux. Fait qu'ils doivent comme le mettre à part. Puis là, ils me demandaient. Tu l'as vu dedans? Ouais. Là, c'est avec la crème dans le fond, c'est là. Ouais. Oui. À dodo. Nanana.
Parce que je voulais le mettre dans la machine, là, comme au Québec. Mais il n'y avait pas le choix dans la machine. Comme pour commander. Fait qu'il a fallu que j'aille le faire au comptoir. Ouais. Et il était comme, ok, je vais te le faire. Ça, puis du Splendor, j'ai pris. Et on est passé. Si je peux le déposer. Oh, oui, je peux le déposer un petit peu. C'est drôle, il y avait dans les menus valeurs, là, à 3$, un triple cheeseburger. Triple cheeseburger. Genre, nous, c'est, on peut le faire au Québec, là, mais c'est même pas sur le menu. Genre. Faut faire une extra boulette, j'imagine, dans un double cheese. Non, il y en a plus, les garçons. Les gars, ils ont mangé. C'est ouais. Triple cheeseburger. Les verres larges, ils sont en plastique aussi. Ah, oh, ouais. Ah, c'est bien. Ben oui. Ça va être en plastique. Les garçons, ils ont mangé ça de fourmis bioniques. Ouais, il y en a du monde au pas. Le Foodie Mix. Ouais, il doit avoir quelque chose. En fait, il y a une scène. Oh. Il y a une grosse scène. Un spectacle. Le Foodie Mix, Béatitude, ils ont tous mangé ça. Ah, aujourd'hui, c'est la police night out. C'est bien drôle. Fait que là, on s'en va à l'hôtel, ouais, on va tout prendre ma douche. C'est plein de petites villes, fait qu'il y a comme plein de petites, genre, fêtes de petites villes. Ouais, qu'est-ce que tu peux voir? Parce qu'on a l'été pareil. Que, c'est toujours le fun de faire des fêtes l'été. Ouais. Fait que, non, il y en a plus! Genre, j'ai aucune idée, j'en ai où. Genre, je peux pas te dire, on est dans quelle ville. On part de Ocean City, là. Il y en a plus, les gars! Puis, Oh, un temple maçonnique. Le temple maçonnique. Illuminati. Il y en a plus, les gars! Bon, en tout cas. Papa, il y en a plus, les gars. Il y en a plus. C'est ça. On a passé une très belle journée à la plage. Changer Amanda. Je voulais vous montrer à quel point elle a tout le temps les poings dans la bouche. C'est pas parce que, genre, elle vient de boire. Elle a pas bu, là. Elle a tout le temps, toutes les poings dans la bouche. Puis elle bave tellement, là. Que là, je suis en train de la changer. Fait que j'y mets la Roblette pour qui est tellement cute, puis je vais mettre le kit pareil pour moi. Mais elle a tout le temps, elle se met tout le temps les poings dans la bouche. Bonjour tout le monde, on s'en va. Ben tu peux parler. Hey la gang, salut. Mon père, les enfants, on a tous pris la douche. Ben j'ai pris ma douche, mais je vais me relaver tantôt parce que. Moi je m'amusais avec le voisin. Oui, il y a comme une porte. Une porte dans la chambre qui mène dans la chambre d'à côté. Mais c'est deux portes collées, genre. Deux portes débordées? Oui, ben. Non, non, non. Il cognait dans la porte, puis je répondais. Oh! Oui, Jaden va cliquer l'ascenseur. Fait que, mais c'est ça. Je suis juste lavée vite vite parce qu'il est 8h. Fait qu'on s'en va manger. Oh, Olive Garden, mon père n'a pas encore été. Non, j'ai out. La bonne soirée! Allô tout le monde, il est vraiment plus tard, il est 11h. Comme vous avez vu, on a été souper au Olive Garden. J'ai pris le aubergine parmesan. C'était super bon. C'est ça. Fait que je viens de prendre ma douche. Tout le monde dort depuis longtemps. En fait, dès qu'on est arrivé, ils sont endormis. Ben, Jenny s'est endormie tout de suite. Mon père, ben, je l'ai allaité, s'est endormi. Puis Marek, ben, il dormait déjà dans l'auto. On l'a transféré dans l'hôtel, puis il a dormi. Il était endormi comme une roche. Sérieux, je suis tellement. Ouais, je m'en rendais ça. Tellement contente de la journée. À la plage, là, je n'ai pas beaucoup filmé. Mais sérieux, genre, j'aurais jamais pensé que ça serait aussi bien passé. Parce que ben, la dernière année, on est avec 3 enfants jeunes. je pensais qu'il se tannerait et tout ça, mais non, genre, Jaden Maverick voulait juste jouer dans la mer. Et après 1h30, ils ont commencé à jouer dans le sable avec le jus de sable. Il aimait tellement ça, il voulait pas partir, mais comme vous avez vu, on a soupé très tard, fait qu'il fallait partir. Ouais. Puis, Amanda, elle est tellement bien fait ça, sérieux, ben, elle a pas pleuré. Je l'ai allaitée comme dans la tente Baby Move. Qui est comme plus grand. Genre, couché là-dedans, c'était parfait. Après, ben, j'ai montré un peu la mer, je l'ai couché dans la petite tente avec les petits jouets. Elle s'est endormie, elle n'a pas chialé pendant tout. Puis mon père, c'est le fun parce que quand que, il est sorti comme de la mer, il a surveillé Amanda. Puis les garçons sont venus jouer dans le sable. Fait que moi, je me suis juste baignée avec Anthony. Puis moi, j'adore me baigner dans les vagues. Genre, j'adore les vagues. J'ai tout le temps aimé ça. Comme. Prendre des vagues, genre. Fait que c'est ça. On a été comme une bonne demi-heure, juste moi et Anthony dans la mer.
c'est ça. Ils ont été vraiment, vraiment des anges, là. C'est ça, c'est vraiment le fun. Et puis comme on est resté tard, ben on s'est pas emmené sur le boardwalk. Fait que demain, on va sûrement aller un peu plus tôt, mais comme aller sur le boardwalk qu'avant. Plus la paire, plus on va aller genre sur le boardwalk le soir à Atlantic City. Quelque chose du genre, on va voir. À moins que c'est jeudi, je sais pas. Mais en tout cas, je suis vraiment pleine. Puis les assiettes pour enfants, mon dieu, c'était énorme. Genre, c'est fou. On a remporté comme le trois quarts des repas, mais tu sais, dans le fond, ils vont me dîner ça. C'est correct. Et tellement que je l'aime, là, ma serviette Coco Caribou, je l'ai emportée en voyage. Puis je sais pas si vous vous rappelez, mais je me suis séchée. Non, j'avais pas fumé. Je m'étais lavée comme à 11h le soir avant qu'on parte en voyage. Puis je l'ai laissé sécher, genre, ok, mon air climatisé central, là, dans le haut de l'escalier pour qu'elle sèche pour que je puisse l'emporter en voyage. Parce que je l'aime trop sérieux, genre, si t'as ça, après tu peux plus t'en passer. Fait que, c'est ça. Je vous dis bonne nuit. Et on se voit demain.